Bonjour à tous et bienvenue pour la suite d'aventure avec Jin sur Ghost of Tsushima. Très heureux de vous retrouver, je vous salue. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On joue de la flûte? Eh ben oui, parce que regardez, on a un temps pourri. Et nous, ce qu'on veut, c'est un beau ciel bleu pour bien terminer cette aventure, car aujourd'hui, c'est sûrement la fin de l'histoire. Et oui, suffit de jouer de la flûte, hein, quand il y a un mauvais temps. Et tout de suite, l'horizon s'éclaircit. Alors regardez le speech de la mission, il me semble qu'on l'avait lu ensemble, l'éternel ciel bleu. En plus, voilà, c'est logique de commencer sur un ciel bleu. La tempête sera bientôt là, nous devons terminer les préparatifs de l'assaut contre Kotunkan. J'ignore si nous survivrons, ni si le seigneur Shimura répondra à mon appel. Mais il m'est impossible de reculer, Yuna devrait se trouver au temple de Jogaku avec les autres. Je dois lui parler avant la bataille. Os majeur de la légende, en récompense bien sûr. Allez, tout de suite, on est parti, mesdames, messieurs, on y va. On se jette à l'eau, hop, on fait attention quand même à la retombée, c'est important, on se sert de notre grappin, notre crochet de fer. Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? Salutations. Nous étions inquiets, j'ai cru qu'il t'avait attrapé. Déposer mon message n'a pas été facile. Ton oncle l'a-t-il lu? Va-t-il nous aider à vaincre le Khan? Je l'espère. Mais nous devons agir dès maintenant. Le vent gagne en puissance. La tempête sera là demain matin. As-tu trouvé des armes de siège? Assez pour leur faire très mal. Et j'ai trouvé des déserteurs de l'armée de ton oncle qui veulent suivre le fantôme. Nous sommes prêts. Dis aux autres que nous attaquerons à l'aube. Je passerai le message, mais tu devrais aller les voir. Ils ont besoin d'entendre leur chef. Eh oui! Un discours épique, mon cher Jin. Il faut savoir motiver tes troupes. L'éternel ciel bleu. Alors je pense que c'est l'ultime mission de cette histoire, mais je ne suis pas sûr. Ça me paraît évident, vu le speech. Alors, facultatif, parlez à vos alliés. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Seigneur Sakai, les guerriers de Yarikawa viennent se joindre aux fantômes. Merci, Daikoku. Ensemble, nous vaincrons le Khan. Les archers, très important. D'ailleurs, il faudrait que je voie si je peux booster le mien. Ce serait plutôt une bonne idée. Alors, là-bas, on a le trappeur. Tiens, il y a quelqu'un ici aussi. 30 mètres. Alors, ça reste facultatif, mais apparemment, on nous l'impose quand même. Hein. J'ai l'impression. Tiens, attends, des provisions. Ça sert pas à grand-chose, hein, mais... Au passage... Seigneur Sakai. Norio, je savais que tu viendrais. Après toutes les batailles que nous avons livrées, je n'aurais pas manqué ça. Demain, nous vengerons ton frère et les moines guerriers de ton temple. Je veux seulement libérer l'île. Alors tu vois, Norio, c'est l'exemple typique du personnage du mec dans le jeu qu'on n'a pas développé. Parce qu'à mon avis, son histoire se développe plutôt avec ses missions secondaires. Vous le savez ou non, mais il y a des missions secondaires pour chaque perso au style. Enfin, les plus gros, hein. Norio, justement, Dame Masako, Ishikawa Sensei, et ainsi de suite. Même si certes, on a des missions principales avec eux, mais il y a aussi des parties secondaires. Sakai. Ah bah tiens, quand on parle du loup... Sakai. Sakai. Sensei, des nouvelles de Tomoe? Pendant que nous sommes ici, les archers de Tomoe sont en train de semer le chaos sur toute l'île. Nous y mettrons un terme, Sensei. C'est promis. Et moi, je croyais qu'il disait juste que ça caillait, quoi. Ça caille. Bah, c'est vrai. Ravi de pouvoir compter sur votre arc. Je n'ai pas oublié pour Tomoe. Nous vaincrons le Khan. Son soutien s'effritera comme des feuilles de thé sèches. J'ai envers vous une dette infinie. Pas de sentimentalisme, Sakai. Entendu, Sensei. Je vous laisse vous préparer pour demain. Je me suis préparé toute ma vie. Un jour de plus ne fera aucune différence. Ah bah je vous l'ai dit au début de l'aventure, hein. Ils l'ont appelé Jin Sakai, mais fallait pas avec moi. Hein. C'était sûr que ça allait finir ainsi. Hein. Alors, c'était sûr que j'allais faire une blague foireuse, hein. Qui n'est même pas drôle d'ailleurs. Alors, personnage suivant. Oh, Kenji. Bien. Nous y sommes, messire. Tu as l'esprit léger. C'est normal. Ce sont les spiritueux qui font effet. Ne bois pas tant. Il ne faudrait pas que tu dormes demain. Plus sérieusement, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je suis là pour Taka. Merci, Kenji. T'es bien, Kenji.
Bon, si ça lui permet d'être plus à l'aise. Attends, ce que je voulais faire, c'est regarder si je pouvais améliorer donc mon arc. Comment puis-je mon arc améliorer court. D'ailleurs, je sais, également, je tiens à vous le dire, hein, je sais qu'on peut récupérer l'arc long dans le jeu. Faut faire un récit mythique qu'on fera potentiellement un peu plus tard, si vous êtes chaud, hein, pour des missions secondaires. Je sais pas encore si je l'ai fait en vidéo, si je l'ai fait plutôt en live sur Twitch, hein, parce que je compte reprendre un peu les lives dans les prochains jours. Alors, si possible, hein. C'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment, mais il faut que j'essaye de le trouver, ce fameux temps. Je pense que c'est le même problème pour tout le monde. Hein. Alors, ouais, je peux améliorer l'arc. Ok, ça m'a coûté 450. Il me reste un niveau, le niveau 5, pour l'arc court. Ça coûtera 600 provisions, je suis à 91. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de tout le reste, on est bon, hein. Pile poil au niveau du bois de cire, mais il nous manque encore une fois des provisions. C'est un honneur d'avoir eu votre... Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ici? Damasako. Jin. Je sais que nous n'avons pas trouvé les assassins de vos proches, mais nous devons attaquer le Khan. Il a assassiné mon mari, pendu mes fils. Moi aussi, je veux sa mort. Il répondra de ses crimes. Ensuite, je reprendrai ma chasse. Et je serai à vos côtés. Reposez-vous. La journée de demain sera longue. Ou au contraire, très courte. Effectivement. Elle est motivée. On n'a pas de faveur, non? Non, sinon ce sera endoré. Hein. Allez. Il me semble qu'il reste plus que Yuna. Hein. Il s'est passé bien des choses depuis que tu m'as trouvé sur la plage de Komoda. Tu étais si lourd que je pouvais à peine te traîner. J'ai dû te dévêtir à moitié pour atteindre la ville. Sans toi, je ne serais pas là, Yuna. Je ne peux pas te perdre, Jin. Pas après ce qu'on a traversé. Les gens qu'on a perdus. J'en ai assez. Je dois arrêter le Khan. Rien ne t'y force. Nous pourrions partir, chercher des terres calmes, pendant que ton oncle mène sa guerre de samouraï. C'est ce que tu souhaites. Non. Si je meurs, promets-moi que tu te battras. Tu n'as aucune pitié, Jin Sakai. Va te reposer. Pas encore. Restons ici. Quelques minutes de plus. L'heure est venue. C'est notre unique chance d'arrêter le Khan avant qu'il envahisse le pays. Kenji, les armes de siège sont-elles prêtes? Elles sont prêtes à embraser la flotte mongole. Bien. Yuna te donnera le signal. À la première salve, les Mongols chargeront ta position et se jetteront directement dans notre piège. Les explosifs sont en place. Les archers sont sur les toits. Nous sommes avec toi, Sakai. Merci. Merci à tous. Allez. Jin, je ne vois ton oncle nulle part. La tempête n'attendra pas. Et nous non plus. Prépare-toi à tirer la flèche de signal. Maintenant! Les Mongols approchent. Nous tuerons tous ceux qui passeront. Que la bataille commence. Allons-y. Je suis en position. Oula. Ça commence fort. Où êtes-vous? Oh, je n'avais pas vu. Ok. Attends, il y a un tonneau. Ok. Brûlé. Eh, ça touche de loin en plus. Là, je pensais qu'on serait un peu limite. Mais non, c'est bon. Salut toi. Attention derrière, je fais gaffe. Toi, effectivement, t'as pas de casque, on en profite. Bouclier. Maintenant. Un gros combo classique. Ouh. Tellement beau.
Ah oui, c'est vrai, on peut les pousser comme ça, le coup d'épaule est monstrueux. Ça le fait perdre l'équilibre, comme ça. Ah non, j'ai pas réussi. Ça marche pas à tous les coups non plus. Faut pas pousser, hein. Salut. Surprise. Et là, on peut utiliser un petit peu la danse du courroux. Et wouh. C'est monstrueux. On dit ce qu'on veut, mais c'est hyper monstrueux. Attaque, mon grand. T'as pas de quoi attaquer. Ok, il est fort, lui, là-haut. Attention. Maintenant. La parade. C'est pas du perfect. Et... oui, on brise la garde. On termine. Technique, quand même, hein, le système de combat. Hein. Ça qui est bon. Je t'ai vu, toi. Mon petit coup de pied. C'est mal, ça, hein. Deuxième coup de pied. Qu'est-ce qui t'arrive? Désorienté? Ok. À toi, mon grand. Par derrière, je te pique à vif. Ouh, loulou. Ok, esquive. Petit coquin. C'est bon, tiens. Où ils vont nous coincer? Repoussez-les. Tuez-les tous. Amenez-vous. Ok, la lance, attention. Oh là, Ishikawa, tu t'es fait projeter, mon grand. C'est pas ouf. Ok. Petite bombe. Tiens, on passe sur les kunai d'ailleurs. Et... on vous la garde. Bien joué. Tout se passe bien. Petit archer. Ah, on aurait pu faire péter les tonneaux par contre, c'est vrai. Oh là là, quelle puissance. Ok, un peu plus loin. Jolie épée. Attention, le fantôme maintenant tout de suite. Posture du fantôme. Eh oui, mon grand. Eh oui. Amenez-vous. J'avoue que c'est d'une telle classe, ça. Hein. Sans déconner. Ok, il est avec une épée, lui. Le saut. Attaque-moi. Maintenant. Tu es ferme. Il n'est pas à la hauteur. Attention, le gros. Maintenant. Ishikawa est à terre. Ok, attends, j'arrive. Attends-moi, Ishi. Je te réanime. C'est bon. Ok. Et ça saute. Très bien. Attends. Une autre animation à faire là-bas. Toi, tu te tais, merci beaucoup. Yuna qui n'est pas bien. Les ennemis sont forts hein, dans cette zone. Forcément, on est dans la zone 3. Et oh. Hop là. Ok. Vas-y. Jusqu'au bout. Ok. Petit coup de pied. Et... il est costaud celui-ci. Maintenant. Oh, la parade parfaite. Coup de pied. Amène-toi. Et... tata. Petit duel sympathique avec lui, tiens. Pour le coup. Salut. Et... coup de pied. Voilà. Et toujours une solution. Absolument toujours. J'abrège la France. Je suis sympa quand même. Le plan a marché. Les Mongols se regroupent. Nous ne les laisserons pas faire. Norio mène le reste de nos troupes en amont. Rejoignons-le et passons à l'attaque. Eh bien, ça commence fort, ce récit. Rejoignez Norio avec vos alliés. On est tous là. Oh, vous êtes tous là. C'est ce que j'ai dit. Notre heure est venue. Aujourd'hui, le Khan meurt. Même sans le Seigneur Shimura, nous gagnerons. Nous donnerons l'assaut sur la grande porte, pour distraire les Mongols le temps que tu t'infiltres. Vous serez débordés. On est arrivé bien trop loin. On ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes les plus braves guerriers que j'ai rencontrés. Je vous reverrai bientôt. Laisse-nous mener ce combat. Alors, qu'attendons-nous? Pas de pitié pour les Mongols! Au combat!
Au combat pour le Seigneur Sakai! Pour le fantôme! Pour le fantôme! Alors apparemment c'est par là-bas le port d'Izumi. Ouais. Eh bien, allons-y. Bonne chance les poteaux. Hein. Oula, il y en a deux là-haut. Faire attention. Faut y aller en douceur. Hein. Ah, je le sens pas trop là de passer ici parce qu'il surveille là les deux. Attends, on peut peut-être se le faire l'autre là-bas, mais d'abord celui-là. Hein. Allez, bonne nuit. Bonne nuit les petits. Attention. Il n'y a personne d'autre. On peut avancer. Je dois monter sur un toit en examinant le camp. Je devrais pouvoir trouver le Khan. Attention à droite. Oula, ouais, ils sont vachement nombreux, hein. Alors, je pense que même si on se fait repérer, c'est pas trop grave. On va quand même essayer de la jouer. Infiltration un petit peu, si possible. On n'avait pas eu la triple élimination, il me semble, hein. Ils sont combien, là? Oh, mais ils sont trois! Par contre, lui, j'ai peur qu'il soit un peu éloigné, non? Bon, allez, on tente. Tant pis si on est plus en infiltration. Maintenant. Ah d'accord, vous avez peut-être pas entendu l'autre marque. Bon, l'enchaînement était classe quand même. Hein. Même s'il nous a remarqué. C'est pas grave, on récupère quelques petites flèches. Ok, les kunai en est bon. Je vérifie. Personne à l'intérieur. Ouh, attendez, par contre, il y en a un qui arrive par là. Et il a pas de casque en plus, ce con. Salut. Parfait. J'ai amélioré mon arc, autant l'utiliser un petit peu quand même. Attendez. Allez, on monte par là. Ah, attends, il y a un câble là. Ah ouais, peut-être... Ouais, peut-être monter, remarque. Pour se déplacer plus furtivement. Ça peut être une bonne solution. Même si, bon, on n'est pas hyper furtif non plus, mais ça facilite quand même vachement la vie. De faire ce genre d'élimination. Putain, je l'ai pas vu lui. Oh le coquin. Oh le coquin. Allez. J'ai récupéré d'ailleurs la posture du fantôme. Tu peux monter là-haut? Ah bah voilà, comme ça j'ai pas la peine de revenir en arrière. Attends, est-ce qu'il y a du monde là? Ah, ils sont deux. Lui je le tue là-bas. Il est pas mort? C'est sérieux? Ok, bon. On se fait les deux. L'autre c'est bon, j'ai déjà un petit touché. Par contre, est-ce que je peux avoir un mec aussi gros là? Ah bah non. Ah mais non, ils étaient trois. Putain. On sait que c'était deux. Allez, toi tu sautes. Laisse jouer les grands. La tour de nuit. Ok. Je vois. Viens par là toi. Danse du courroux. Bruce de garde. Automatique. Je suis sur le bon truc là, ouais. Alors, j'ai ma posture du fantôme, je vais essayer de la garder pour la suite quand même. Pas tout le temps utilisé non plus. Par contre, si on se fait toucher, c'est foutu. Allez, viens par là, mon gros. Non, tu me toucheras pas. Voilà. J'ai bien fait de la garder, la posture du fantôme. Hein. Par contre, entre-temps, on est d'accord qu'il faut pas se faire toucher. Hein. Ouais, ça on le sait. Bon, je vais pas récupérer les trucs dans les tentes, hein, parce que ça va prendre 25 ans et demi. C'est pas le but. Ok, par là. Deux petites provisions. Ils sont un peu plus loin, hein, ça va. Ils sont un peu plus loin. Faudrait monter là-haut, mais là... En douceur. Salaud. Et tout bon. Il a vu quelque chose? Bon, allez, viens. Viens mon grand. Surprise. Allez. Et... Ça, par contre, j'étais pas sur la bonne posture, j'avoue. Ah, j'ai oublié de contrer. Oh, trop facile. Il a quand même réussi à me toucher le bougre. Bravo. Faut que je
atteigne le manoir. Ah d'accord. Il faut continuer dans une logique d'infiltration alors. On n'est pas obligé non plus. Là je vais monter. Je peux monter tu penses? Yes. Ouh j'adore faire ça. Ils sont deux? Allez. Salut vous. Bouge pas. Maintenant. C'est trop classe. Oh là là, mais c'est trop classe. Ce jeu, mes aïeux, ce jeu. Attends, je vais faire celui-ci. Ah, j'avoue que c'est un petit kiff, tu vois, de tuer tout le monde. Ah, ils sont deux aussi. Allez. Hop là. Et ciao, bye. On est dans la bonne direction. Là, ils sont trois. Pareil, faudrait que je monte. Ouais, par là, éventuellement. En même temps, on est protégé aussi quand on est... Ah non. Je suis pas monté. Bah non. En plus, je vais me coincer. Oh, j'aurais presque pu. Bonjour. Merde. J'ai tiré une flèche dans le vide, quand même. Dodo. Voilà. Oh, l'humiliation. Bonjour, quoi. Les pauvres. Les pauvres, bonjour, l'humiliation. Je crois bien. Attends, je récupère les flèches. Voilà. Salut toi. Ils ont pas entendu les autres. Et mort de rire. Regardez. Ah non, j'ai loupé, dommage. Oh ça c'est con. Ils m'ont pas totalement repéré en plus. C'est terrible. Là-haut peut-être. Trop d'abus quoi. Trop d'abus. Oh là là, mais c'est trop haut. À côté. Bon allez, on y va. Faut pas non plus tout faire à l'arc. Faut pas déconner quoi. Attention. Vite. Maintenant, esquive. Aïe aïe. Tu peux pas toucher. Tu peux pas toucher. Ok, maintenant. Oh non. Je voulais activer la potion du fantôme. Tu l'es goûté. Ah, je voulais la garder jusqu'au bout, tu sais. Attends, d'abord l'archer. Pas déconner. Ça va nous embêter. Voilà. D'abord l'archer, ce sera beaucoup mieux. Hop. Et toi. Voilà, tu dégages. Attention, archer aussi là-bas. On va faire vite fait ceci. On va nous embêter sinon. Oh, attends, je m'écarte un peu. Ils sont un peu trop nombreux les audios là. Attends, là-haut. Ok. Aïe aïe. On les élimine comme ça ceux-là. Ok. J'ai fait le premier. Attends. Allez, amène-toi. Attends. Ah, j'ai pas réussi à le faire deux fois. Il vaut mieux faire le combo quand même. Oh là là. Non, il m'a tué. Attends, je peux encore utiliser ça. Ah, je me suis fait surprendre, de ouf. Sale enfoiré. Maintenant, souffrir. Kunai. Oh, il m'a énervé. Ah, j'avoue, lui, il m'a fait mal. Il était un peu plus fort. Non, c'est juste que je me suis mal pris. J'étais un petit peu débordé. Et je n'ai pas suffisamment utilisé mes gadgets pour le coup. Hein. Sarbacane, Carillon. J'utilise très peu de choses. C'est ça le problème. Il y a trop de trucs dans le jeu. Truc de dingue pareil. Hein. La bombe fumée, c'est génial. Bombe fumiste au top et j'ai très peu utilisé. J'y pense pas. Le calme, j'arrive.
Tous ces morts. Parce que toi et ton oncle avaient refusé de vous soumettre. Je vous ai proposé la paix, mais vous, vous avez préféré la guerre. À présent, c'est le Japon tout entier qui souffre. Vous ne quitterez jamais cette île. Le duel. Je attention. Le peuple de Tsushima. Le venger. Un simple caprice d'enfant. J'allais y aller, mais finalement, je me suis ravisé. Ce qui me dérange, c'est qu'on va encore se faire piéger parce que regardez, on a très peu de vie. Ok, ça va. Oui, ça allait. Ça va plus. Oh là là. Ah, je vais crever. Ok, c'est sûr. Mon destin n'est pas de mourir ici. Ah ouais ? Ce qui va arriver pourtant. Ah ouais, non, il est chaud, hein. Déjà, je teste les mecs avec des lances dans mon jeu. C'est presque mort, hein. Regarde ces combos, le gars. Parce que alors, faut pas en abuser, tu vois. Il est incroyable. Ok, on arrive à le toucher un petit peu. Bon, ça va, il a pas l'air non plus. On va sûrement mourir quand même, mais parce qu'on avait pas assez de vie et tout. Et pas assez de détermination. Mais franchement, non, il se fait. Je pense que ça va le faire. T'oublieras vite. Je vengerai le peuple de Tsushima. Le venger. Le venger. Un simple caprice d'enfant. Ok, bon je pense qu'il est un peu lourdeau, faut tourner autour de lui, bon il reste très rapide, attention hein. Voilà. Quoi ? D'accord. J'ai pas compris. Mon destin n'est pas de mourir ici. Alors, on lui retire quand même pas beaucoup de vie hein. Allez, danse du courroux. Faut profiter par contre pour mettre une attaque mythique hein. Voilà, c'est là. Maintenant, celle-là on l'aime bien. Celle-là on l'a déjà remarqué depuis un moment. Allez, comme il te charge, laisse tomber. Ce qui est vachement intéressant, c'est le saut. Tu fais ça. Et très souvent, tu peux éviter les soucis. Pas très souvent. Jouer. Ok, par contre il m'a balancé, il m'a envoyé chier l'enfoiré. Vous êtes faible. Je t'ai déjà vaincu par le passé. Bien joué. Vous avez peur. Laisse-toi. Faut rester concentré. Aïe aïe aïe. Oh l'esquive. Oh oui. Le rush était bon là. Le rush y était bon. Passer au-dessus. Vite. Maintenant. Non, il a repoussé, il a repoussé. Waouh. Putain. Encore repoussé cet enfoiré. Maintenant. Oui. Mais non. Ça vous rappelle rien ça? Mais c'est Gladiator. Vite, faut que je me tire.
Qu'est-ce qui se passe, je suis mort? C'est moi, ils sont morts, eux? Je crois qu'ils sont morts. Vite. Ah non, ils sont pas morts. On s'en fout. Mais non! Ok. Mais je cours, moi. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre, je cours. Ah ouais, là... Attends, c'était que la première partie en fait? Battez Kotunkan. Mais non. Ok. C'était que la première partie. C'est ouf. Ok, la lance. Ils sont costauds là, hein, en plus. Hein. Oh là là. Attends. Bombe collante. Attends, je m'occupe de lui. Voilà. Je pensais que je l'avais tué, penses-tu? Ils ont tous un masque en plus. Ça, c'est chiant. Oh la vache! Putain, mais qu'est-ce que je fous? Attends, c'est pas ce que je voulais faire. On est obligé de tous les tuer ou. Au pire, est-ce qu'on peut les. Les rush? Je crois bien qu'on est obligé de se les faire, hein. Je suis sûr, on est obligé. Oh, c'est de la merde. On est dans la mouise. Ah, concrètement, on est mal, là. J'ai encore une fumée, hein. Et je me suis... Oh, je me suis foutu dedans. Maintenant. Maintenant. Vas-y. Voilà, bien. Là, il y en a trois. Là, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Boum collante. Je vous le dis, faut se servir de tout là. Hein. Oh, regardez, y'a un truc. Est-ce qu'on a volé les autres? Ouais, c'est bon. Ah bah, et non? Ok, il m'en reste plus qu'un. Putain. Oh la vache! Mais oh! Ah, mais c'est Kotal Kahn, non? Ah, mais c'est Kotal Kahn, c'est pour ça! D'accord. Je me disais, il est fort! Achevez-le! Ah, d'accord, on reprend d'ici! Bon. Le tonneau, le tonneau. Je vais pas me gêner. On est pareil ici, mes loulous. Maintenant! Voilà. Dommage que je n'ai pas la posture du fantôme. C'est bon, ils sont morts? Ah non, lui, il est pas mort. C'est quoi lui? C'est épée dans ses boucliers, je crois. Par ici, mon gros. Faut que je garde tout ce que je peux pour Kotunkan. Hein. Je garde la détermination à fond. Voilà, bien. Arrive, Kotun. Ramène tes fesses. Ah, ça marche. C'est pas très samouraï, ça. Mais ça marche. Attends, à la limite, je peux faire ça! Wesh! Non! C'est abusé! Je fais qu'aux flèches! Parce que ouais, tu peux bien viser son visage, hein! Attends d'ailleurs, en parlant de flèches! Tiens! Avec sa sauce! Attends, oula, le mec avec les grosses là, j'aime pas trop! Je brûle pas celui qui est en bas. Dis-moi qu'il y en a d'autres. J'ai pas des kunai. Ouais. Bombe fumée, ça peut être intéressant ça aussi. Attends, bouge pas. Bombe fumée. Non. Maintenant. Yes. Ah. Oh, les bombes fumées, c'est vrai que c'est super. Ah mais c'est Kotal Kahn. Kotun. Pas Kotal Kahn, c'est dans Mortal Kombat ça. Kunai. Je me méfie.
Pardon, je suis un petit peu dans mes gadgets, là, tu permets. Explose! Allez! On va se le faire. Maintenant! Bien joué! Attends, je vois si on peut pas tirer sur autre chose dans les décors. Ou alors se le faire à la flèche. Ça, c'est abusé de se le faire à la flèche. Ça marche tellement. Quand on réussit à viser la tête, c'est magnifique. Oui, il y a de l'abus. Je sais qu'il y a de l'abus, mais écoutez, j'améliore pas l'arc pour rien non plus. Ah lui, par contre, je peux pas l'avoir, je pense pas. Ouh. Brûle. Maintenant. Oh lolo. Oh lolo, mais qu'est-ce que c'est que ça? Frappez! Tuez le fantôme! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Quelle beauté! Ouais, ça va arriver de tous les côtés encore une fois. Ok. Toi tu restes là. Merci, au revoir. Attention derrière moi. Il me reste des... Attends. Fumigène. Il en reste une encore. Punaise. Une canne. Il est énervé, il est énervé. Enfin, si vous le sentez, moi je sens énervé. Ah, il a pas eu ses petits calocs, ça c'est pas bon. Il a pas eu ses petits trésors. Comment on va se faire? Comme ça. Touché. C'est chaud, hein, parce qu'en plus on tire à l'arc. Merde, je suis con. Trop con, je m'en suis même pas servi de moi, fumigène. Quel teubé. Maintenant. Ok, attends, je vais tuer l'archer là. Super. Tu vas tirer dessus, non? Je suis pas en bonne posture pour une canne, je crois. Ah, il est en posture bouclier peut-être là. Ah mais oui. Il est en posture bouclier je pense. Je suis bête, j'ai pas analysé ça. Ok. Explose. Allez mon grand. Maintenant. Effectivement, il est en bouclier là. Oui. C'est à toi.
temple de Jogaku. Ah, les combats étaient tendus, hein. Waouh. Suivez Yuna. C'était assez impressionnant. Le Khan est mort, mais son armée est toujours là. Calme-toi. Nous ne serons en sécurité qu'une fois qu'elle aura pris la mer. Et après ça, alors? Qu'est-ce qui se passera? Nous referons nos vies. Avant, je savais la vie que je voulais mener. Aujourd'hui, je ne sais même plus qui je suis. Tu es une grande guerrière. Une amie fidèle. Et une voleuse. C'est du passé. Ce que tu seras demain dépend de toi. Eh bien, je crois qu'on mérite un peu de repos après tout ça. Même si c'est pas encore fini. Ne restons pas ici. Mon oncle doit nous rechercher. Non, j'en doute. Après la bataille, il a envoyé un messager. Souhaitait-il faire la paix? Il te donne rendez-vous, au bord de l'eau calme, sous l'arbre à feuilles rouges. Le lac d'Omi. Nous nous y entraînions quand j'étais jeune. Je t'accompagne. C'est entre lui et moi. Il est ma seule famille. Je sais. J'ai encore mal quand je pense à Taka. L'odeur de fumée dans ses cheveux. Son rire discret. Les reproches qu'il me faisait quand je buvais trop. Toute ma vie, il est resté près de moi. Et maintenant, je suis seule. Tu n'es pas seule. Je suis là. Un fantôme. Tu es là pour tout le monde. Bon, et le bisou, là. L'éternel ciel bleu. Tuer le Khan. Et mettez un terme à l'invasion mongole. C'est marrant, j'ai pas l'impression que c'est la fin du jeu. Enfin, quelque part, oui. Mais d'une autre part, non. Parce qu'il reste encore mon oncle Shimura. Donc, à mon avis, fin de règne. À mon avis, je sens qu'on va affronter le vieux. Je le sens. Mais vraiment, le récit du seigneur Shimura. Ouais, c'est sûr. Le Khan est vaincu, mais il me reste une affaire personnelle à régler. Le seigneur Shimura m'a demandé de le rejoindre sous l'arbre à feuilles rouges du lac d'Omi. Je dois lui parler. J'en ai fini de fuir. Os majeur de la légende. Alors j'espère que c'était bien par là. Ouais, c'est là où on s'entraînait, souvenez-vous. Le seigneur Shimura n'est pas là. Je vais l'attendre sur le ponton. Comme ça, il est en retard. Il a peut-être peur de moi. Le calme avant la tempête. Oh, un petit peu de flûte. Jin. Mon oncle. Je ne savais pas si tu viendrais. J'avais besoin de vous parler. En joignant nos efforts, nous pourrions chasser les derniers Mongols et rebâtir notre île. Ce n'est pas ton devoir. Le Shogun a dissous le clan Sakai. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus un samouraï. J'ai tout sacrifié au nom de mon peuple. Et je n'ai aucun regret. De nouveaux samouraïs viendront remplacer les défunts. Ils occuperont tes terres et ton domaine. J'aimerais les voir une dernière fois. Chevauche avec moi. Le récit du seigneur Shimura.
Je suis plus samouraï. Fallait s'en douter, hein. Allons-y. Oh, mais cet endroit, qu'est-ce qu'il est beau, franchement. Monstrueux. Allez, Nobu, en route. Je sais que t'es tout nouveau, hein, que je viens de t'embaucher, mais... Oh, pas de course, hein. Let's go. Avec tonton. Alors, qu'est-ce qu'il est beau? Allez-vous rester Jito de Tsushima? Oui. Le Shogun m'a demandé d'entraîner ses guerriers pour combattre les Mongols. Bien. Ils n'abandonneront pas tant qu'ils n'auront pas conquis tout le Japon. Je consacrerai les années qui me restent à faire échouer l'invasion. C'est une tâche que j'aurais voulu accomplir avec toi, en tant que père et fils. Vous pouvez encore vous remarier, fonder une nouvelle famille. Oui. Tu as sans doute raison. Cet homme semble avoir besoin d'aide. Attendez, nous allons vous aider. Non, ne vous donnez pas cette peine. Ce n'est rien. Vous n'y arriverez pas seul. Vous êtes trop bon. Il y a plus de boue qu'on ne peut le croire. Vous êtes très chargé. Où vous rendez-vous? Jogaku. L'armée du fantôme s'y trouve. Il a une armée. Vous l'ignoriez? Elle part pour les steppes mongoles, portée par la tempête. Bien décidé à les réduire en cendres. Voilà qui est impressionnant. C'est tout ce que j'ai à offrir. J'espère aider. Vous devez reprendre votre route. C'est moi le fantôme. T'as imaginé, s'il savait. Allez. Ah d'accord, plusieurs fois croix. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais juste à pousser avec le stick. Merci, mes seigneurs. La route est longue jusqu'à Jogaku. Tâchez d'éviter les flaques de boue et les Mongols. Bien sûr. J'ignore totalement de quoi il parlait. Pas ici. Suivez-moi. Je n'ai pas d'armée, mon oncle. Chaque jour, tes adeptes se font plus nombreux. Le Shogun est inquiet. Tout comme moi. Vous n'avez rien à craindre. À l'arrivée des nouveaux clans, le peuple s'inclinera-t-il devant ses samouraïs? Les trahira-t-il au nom du fantôme? J'empêcherai que cela se produise. Les gens m'écouteront. Tu es défié au vu au-dessus de Tuzhen, mon plus fidèle guerrier. Tu as appris au peuple à désobéir à ses chefs. Qui te dit que tes adeptes te témoigneront obéissance? Assez chevauché. Marchons un peu, Jin. Entendu. Le cimetière de ma famille. C'est ici que reposent 7 générations de Sakai, y compris ta mère. Et mon père. Allons leur rendre hommage. Tout ceci me manquera. À moi également. Le Shogun t'a déclaré coupable de trahison. Il vous a ordonné de me tuer. Le fantôme est un hors-la-loi. Il a appris au peuple à défier ses chefs. Non, à se défendre. Avec du poison. Un cadeau que tu as fait à notre ennemi. Je devais vous empêcher de sacrifier la vie de ces gens. Tu n'as aucun honneur.
et vous êtes esclave du vôtre. Tu étais mon fils. Je dois désormais perpétuer le nom des Shimura sans toi. Je dois fonder une nouvelle famille. Mais ma tête est le prix à payer. Et la prendre est mon châtiment. Notre dernier jour ensemble. C'est magnifique. L'heure est venue. Écris les dernières paroles du clan Sakai. Et du clan Shimura. Aïe, aïe, aïe. Réflexion sur la perte. Des mains qui façonnent. Des pas conquérants. Un sort que nul ne souhaite. C'est beau, hein. La mort nous sauve-t-elle ? Des pas conquérants. Un sort que nul ne souhaite. La mort nous sauve-t-elle ? Tes parents seront toujours à tes côtés. Oui, mon oncle. Je vais t'entraîner. Et tu deviendras le meilleur guerrier du clan Sakai. Je t'élèverai comme mon propre enfant. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Je ne veux pas vous blesser. Oh, c'était moi une. La vache. Ça a l'air speed tout ça. Hein. T'as que sauter. Ok. Montre-toi. Mon oncle. Voilà.
peux pas toucher. Côté, il m'a pris de l'autre côté. Par contre, sa vie, elle descend pas vite. Hein. Un combat de longue haleine. Hein. Les blessures que tu vas porter à l'âme ne guériront jamais. En me tuant, vous ne ferez que les aggraver. Je ne veux pas vous blesser. Ça va être tendu. Encore pire qu'avec Kotunkan, je sens. Oula, oula, oula. Mais, wow. Il s'arrête jamais. Allez. Par contre. Vous voulez vous venger de ma désobéissance. Châtiment. C'est bien ça. Bon, on y arrive, mais ça va être vraiment un combat d'endurance, hein. Oui. Mal ça. Hein. Et ouais, mon oncle. Est-ce que je garderai pas un petit peu détermination quand même? On a le choix ? Mais non. L'épargner, le laisser vivre et s'en aller ? Tuer, respecter son choix de mourir. On va le tuer. Hein. Mais je pense que je vous proposerai les deux fins, les deux propositions.
Eh bien, bravo. Eh bien, bravo. C'est tout ce que je peux vous sortir comme mot actuellement. Je ne me suis à aucun moment ennuyé dans le jeu. J'ai adoré du début à la fin de l'histoire. Et il nous reste encore beaucoup de choses à voir, hein, des quêtes annexes de partout, hein, pour connaître l'histoire de différents persos, développer un petit peu le lore du jeu. Mais vraiment, quel jeu, quoi ! Déjà, je peux vous donner un avis en terminant l'histoire en, je sais pas, 15 heures, un truc comme ça. C'était génial. C'était génial, c'était grandiose. Alors effectivement, on est sur une histoire qui est quand même pas... C'est pas qu'elle est simple, mais... Enfin, elle est simple à comprendre. Après, effectivement, le fait de faire des quêtes annexes et tout, ça va compléter un petit peu le lore du truc, l'intérêt des personnages, etc. Le caractère. Mais véritablement, c'était super sympa à suivre. Et il y a des moments suspendus dans le jeu. Et ça, c'est grâce à l'ambiance, c'est grâce à la musique, c'est grâce à la mise en scène. Les combats sont incroyables aussi. J'ai adoré le jeu. Voilà. En même temps, j'ai pas arrêté de le dire pendant tout le jeu, c'est magnifique. Le système de combat est jouissif. Pour moi, là, on a l'un des tout meilleurs jeux de la PS4. Ah, je le dis clairement. Certains vont me dire, oui, tu exagères. Moi, c'est l'un de mes jeux préférés sur PS4. Je vous montre tout de même la seconde fin. Rappelez-vous, hein, on avait le choix entre... l'épargner, ou alors le tuer, respecter son choix de mourir. On choisit maintenant de l'épargner. On voit ce que ça donne. Je n'ai aucun honneur. Mais je refuse de tuer ma famille. Le fantôme sera traqué pour le restant de ses jours. Sans doute. Une scène post-générique. On retrouve Jean dans une tenue assez particulière d'ailleurs. Tombé sur le cimetière de ma famille. Sublime. Même dans la mort. Moi qui pensais qu'il ne me fallait qu'un arc, un katana et un cheval. Son parfum est si doux. Mais elle est aussi mortelle qu'une lame. Le couteau de Yuna, il était moussé. Je m'étonne qu'il n'ait pas cassé. Je regrette que vous ne soyez plus là. Les montagnes jumelles du clan Sakai. Je ne laisserai jamais ma famille tomber dans l'oubli. Oh, regardez. Attends, mais c'est pas Ratchet ? Si. Ah mais j'ai vu passer cette image, ouais c'est pour ça que ça me dit quelque chose. J'ai vu passer cette image en fait sur Twitter. J'ai été spoilé sur ça, bon c'est pas très important mais mine de rien. Easter egg, hein. Là on a Shadow of the Colossus. Là on a une guitare, regardez. Alors peut-être pour The Last of Us 2, non ? Je pense, hein. Là on a Ratchet. Peut-être Gran Turismo avec la voiture. Bref les jeux Sony quoi. Ah c'est génial. Franchement c'est top. J'ai vécu sous ses bannières presque toute ma vie. Jean, j'aime ton nouveau foyer. Il te convient bien. Il va bien falloir
Maintenant que le clan Sakai n'est plus, et qu'on me considère comme un traître. J'ai appris pour ton oncle. Je suis désolé. Il est mort. J'ai fait ce que j'avais à faire. L'important, c'est que tu sois en vie. Tu as vaincu Khotun Khan et privé les Mongols de leur chef. Le reste du pays ne craint plus rien. Et nous aussi. Les hommes du Khan sont coincés ici, plus décidés que jamais à conquérir notre île. Alors on va continuer à se battre. Ishikawa Sensei traque toujours son élève. Il doit se demander pourquoi je ne l'ai pas encore rejoint. Où est Dame Masako ? Elle traque ceux qui ont tué sa famille. Je lui ai proposé de lui venir en aide, mais elle a refusé. Elle ne devrait pas faire ça toute seule. Je vais aller la voir. Tu as parlé à Norio ? Il m'a dit que les moines avaient encore besoin d'aide. Je devrais aller voir Yuriko. L'invasion a été dure pour elle. Pas seulement pour elle. Et toi alors ? Nous avons encore des choses à régler à Otsuna. C'est vrai. N'oublie pas. Tsushima a besoin de toi. Je ne l'oublierai jamais. Bien. Nous couvrirons plus de terrain en nous séparant. On va frapper les Mongols de tous les côtés et reprendre notre île. Au revoir, Jin. Et prends soin de toi. Merci. Toi aussi, Yuna. Eh oui, le fantôme n'a pas encore terminé le travail. Refuge de l'aube. Eh bien, écoutez, c'était juste incroyable. Voilà, vraiment, Tsushima libéré de l'envahisseur mongol. Alors, attends. Du coup, maintenant, on a accès, voilà, effectivement, on a de nouveau accès à l'acte, enfin, à la... au reste de la carte. Éliminer les forces mongoles qui occupent Tsushima. Ah, d'accord, il me les affiche. Les fermes et tout. Ah, mais même les, Ah, d'accord, il m'affiche tout, quoi. Excellent, la voix du feu, kit de sabre. Est-ce qu'ils m'ont tout affiché sur la... Bah ouais. Il me montre tout ce que j'ai pas fait. Très bien. Eh bien, écoutez, on pourra faire ça après. Hein. Vous me dites dans l'espace commentaire si ça vous intéresse. Qu'on continue, qu'on fasse en fait les missions annexes. Encore faut-il trouver le temps, hein, c'est pas gagné. Hein, parce qu'à côté, on a Tour de France, Formule 1, d'autres jeux qui arrivent dans les prochains jours, semaines. Mais j'aimerais bien au moins vous proposer les récits mythiques qui nous restent. On a 4. Si je peux également faire les récits secondaires, les récits de Tsushima, sincèrement, je vous les ferai. Parce qu'en plus, d'après ce que j'ai entendu, c'est quasiment de la même qualité que la narration des quêtes principales. Donc effectivement, ça donne envie d'aller voir, d'aller checker et de les faire sur YouTube. Donc dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous intéresse qu'on continue à développer notre personnage de Jin Sakai et qu'on en apprenne plus sur les autres persos du jeu. Vraiment, dites-moi ça en commentaire, je compte sur vous pour réagir. Et en tout cas, en parlant de réagir, merci à tous pour toutes vos réactions, hein. Les pouces bleus, les commentaires, sur toutes les vidéos, encore une fois, vous avez répondu présent pour ce Ghost of Tsushima et vraiment merci. Sur ce, on s'arrête là pour cette série sur Ghost of Tsushima. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que c'est le cas, hein, vu tous vos retours. Mais encore merci. Je vous dis à très bientôt. Il y aura plein de nouvelles aventures sur la chaîne. Hein. Comptez sur moi. Très bientôt, alors je peux vous dire un petit peu ce qu'il y aura. Très bientôt, il y aura du UFC 4. Ça n'a rien à voir. Ça arrive le 7 août sur la chaîne. Carrière UFC. Enfin, un nouveau arrive. Après le 3 qui était vraiment excellent. Il y aura potentiellement Horizon Zero Dawn en version PC que je voudrais vous tester. Après, je ne sais pas si je ferai juste une découverte ou un let's play. Sinon, le mois prochain, en août, du coup, il y aura Flight Simulator qui arrive. On aura également un jeu que j'attends, mais alors comme un taré. C'est Captain Tsubasa Rise of New Champions. Vous connaissez Olive et Tom, Captain Tsubasa. J'adore. Et j'attends beaucoup le jeu qui a l'air assez foufou. En septembre, il y aura WRC9, il y aura du Marvel Avengers, il y aura Mafia Remake. Bref, Cyberpunk qui arrive en novembre. Le programme est dingue et j'espère que vous serez toujours là. Merci en tout cas pour votre présence, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour plein de nouvelles aventures.